En fait, moi, j'ai pas un projet, j'en ai plusieurs qui sont des petits. En fait, moi, je réalise des capsules vidéo pour Technocité. Parce que je n'ai pas réussi à trouver un projet à temps, je m'y suis pris trop tard et je voulais faire des trucs beaucoup trop ambitieux en fait, des machins qui n'étaient pas du tout facilement réalisables. Et du coup, je me suis retrouvé sans projet au moment où il fallait absolument en avoir un pour commencer à tourner, etc. Et du coup, j'ai fait les petites capsules vidéo et c'est bien aussi. Au début de la formation, non, je ne m'attendais pas à faire des petites capsules vidéo et à n'avoir que ça à faire. Maintenant, non, je ne m'attendais pas à faire ça. Maintenant, c'est vachement cool parce qu'on m'avait dit au départ que je ne pourrais pas faire de fiction, que je n'aurais pas le droit d'écrire, etc. Ce qui est un truc que j'aime beaucoup faire. Et au final, j'ai quand même réussi à le faire, donc ça, c'est pas mal. Plein de connaissances. Énormément, c'est-à-dire que tu arrives un lundi matin, tu sais pas du tout ce que c'est le son, enfin tu sais que c'est un machin qui passe dans l'équipe vidéo, etc. Et le vendredi, tu es capable de percher, tu sais ce que c'est une mixette, tu connais même des marques, tu peux parler, tu peux avoir la classe, tu peux pas juste dire ouais j'utiliserai un micro, tu peux dire ouais je prendrai un micro-cravate, machin. Des connexions avec plein de gens qui forcément ont plus ou moins les mêmes projets que toi, sont plus ou moins au même niveau dans la vie, donc il y a moyen de faire des trucs avec eux, d'établir des projets, etc.